La souris. La souris, oh my god. Bon matin, j'espère que ça va bien. Oui, ça va bon bien. Bon matin. On est en plein, en pleine marche matinale. On s'est dit que ça allait bien. Anto, en fait, a proposé ça, puis c'est une très bonne idée. On est vraiment bien. J'ai mis mon petit outfit de fille en forme. Ouais. Même si ça fait genre 3 semaines qu'on n'a rien fait. C'est un détail. Toi, ouais, toi, t'es plus assidu que moi. J'ai marché juste 2 fois cette semaine. C'est quand même plus que 0, mettons, là. Fait que, ouais, on est super bien, mais t'es sur le fond de l'air, t'es un petit peu frais, fait que j'ai mis une petite test. Voilà. Bon, fait qu'on est revenu, puis on a mangé un petit quelque chose. Je me sentais le ventre gargouillé, c'est vraiment intense. Puis là, on est en grosse séance ménage. Anto est en train de passer la balayeuse. T'es en train de faire du lavage. Quoi d'autre? C'est genre une petite routine du samedi matin. Je trouve ça le fun de partir justement la fin de semaine avec genre tout qui est propre. Fait que je suis en train de ramasser, je suis en train de vider les poubelles, faire tout le kit. Anto, comme je dis, s'occupe de la balayeuse. Fait que, etc. On a chacun nos tâches de ménage. Puis lui, il se tape le ménage de la vaisselle à chaque jour. Fait que, je suis quand même chanceuse. Hmm? Je me disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit haul Ardennes, puis j'ai reçu mes pièces du mois de mai. On est déjà rendu en mai, ça a tellement pas de sens. Je me dis que j'allais vous les montrer parce que je vais les montrer sur Instagram, mais je sais que c'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram. Fait que le premier petit kit que j'ai pris, je sais pas si vous vous souvenez, dans un dernier vlog, j'avais montré genre ce kit-là qui est comme méché un petit peu là. Êtes-vous en mesure de pouvoir voir? Ouais, un petit peu méché comme ça, qui était beige et je capote dessus. Je l'aime vraiment beaucoup, il est super confortable. Fait que je l'ai repris en noir. Fait qu'on a les petits shirts qui sont super lousses. Puis on a le petit chandail qui est en maille aussi, qui est un petit peu plus court. Mais que justement, j'ai porté au bureau l'autre fois le beige là avec des jeans. Puis c'était super beau. Fait que ça peut être autant comme loungewear à la maison que plus, tu sais ça, qu'un petit peu plus habillé là, si je peux dire ça comme ça. Ils ont sorti des robes, mais genre des robes avec des petites slits là, sur le côté. Fait que tu sais que tu viens dans le fond les monter comme ça. Puis, tu sais, voyez-vous un petit peu ce que je veux dire? Puis j'aimais vraiment la couleur. Elle est quand même longue aussi, ce que j'aimais particulièrement. Je l'ai pris en small, j'étais en small puis X-small, mais des fois je trouve que ces affaires-là, quand c'est trop moulant, surtout vu que c'est une couleur pâle, des fois c'est pas nécessairement super avantageux. Fait que bref, je l'ai pris en small puis j'ai vu qu'il venait d'en sortir une aussi en noir, fait que c'est ça, hein? Après ça, j'ai pris des biker shorts de leur collection Collective. C'est Eco Collective, je pense, quelque chose comme ça. Ils me font penser un petit peu à mes leggings de la collaboration Ardennes puis Catherine de KGMTL que je capote dessus. Ben, en fait, c'est direct les leggings que je porte aujourd'hui. Fait qu'ils sont la même couleur que ça. J'ai le top de sport, j'ai la veste puis j'ai les leggings puis je vais avoir les biker shorts. Ils sont pas identifiés comme étant de la même gamme que ceux de elle, mais la couleur est, voyez-vous, identique. Oh wow, mes bas dans mes sandales. J'ai pris une paire de shorts que je trouvais tellement belle, un genre de kaki là, lousse puis comme en lin, fait que super joli. Peut être beau genre avec un petit top blanc, un petit top noir, un crop top, long sleeve, peu importe. J'ai pris un autre petit kit qui est plus loungewear, fait que des shorts comme ça, super flowy, là, vraiment légère, dans la taille small X-small, que j'aimais vraiment beaucoup. Et pour fitter avec ça, j'ai pris un petit crop top serré comme ça. Je me disais que, tu sais, autant ça peut faire loungewear, encore une fois, autant que ça peut faire, genre, si tu veux venir le mettre un petit peu plus habillé, ça peut être vraiment cute. Fait que je suis bien excitée pour ça. Puis la dernière chose que j'ai pris, checker ça, je capotais. Je trippe sur cette sacoche-là, mais genre, tellement next level là. Fait que en faux cuir, sac à main en faux cuir, t'as la genre de gants en fausse chaîne, peu importe. Ça s'ouvre comme ça, fait que c'est aimanté. T'as quand même vraiment beaucoup de place là, à l'intérieur, étonnamment. Papier que je pourrais définitivement enlever. Puis t'as une gants, fait que si jamais tu veux venir juste, tu sais, la mettre comme ça, ça peut être super beau, mais tu sais, même juste sur l'épaule aussi, fait que c'est des looks différents, mais ouais, vraiment. Je trippais solide quand je l'ai vu, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Bref, je vais vous mettre toutes les pièces en barre info si jamais ça vous intéresse avec les grandeurs. Fait que ces temps-ci, on dirait que je suis comme moins dans le trip de faire genre des vidéos, de juste dédicacer à des hauls ou à des choses comme ça. On dirait que je suis vraiment plus dans le vlog, fait que j'aime mieux vous partager ça à travers mes journées comme ci, comme ça. Vous me direz quelle formule vous aimez plus.
À voir, là, c'est peut-être juste momentané aussi, peut-être que dans quelques mois ça va me reprendre, mais pour le moment, j'aime ça vous parler, j'ai l'impression vraiment qu'on a une meilleure connexion, genre comme ça, versus quand je fais des vidéos qui sont plus sit-down, qu'on appelle, là. En bref, si vous comprenez ce que je veux dire, mais là, après vous avoir montré un haul, ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que là, je suis dans le mode de declutter, puis c'est pour ça que j'ai amené mon linge ici en me disant, ok, parfait, là, je suis dans un mode de me débarrasser de du linge, de des vêtements, de du stock, veux pas tout ça en prévision, éventuellement, du déménagement, mais c'est parce qu'on essaye aussi de penser, tu sais, j'ai pas envie d'amener du stock que nécessairement j'aimerais pas, ou que je porterais pas, ou que je porte plus, fait que j'aime aussi bien m'en débarrasser tout de suite, puis c'est ça, hein, le donner à qui bon on aura besoin, fait que... Sérieux, ma condition de vêtements est abusive, là. On est tous au courant de ça. Mais bon, fait que j'ai mes camisoles dans le fond, je vais commencer par ça. J'ai mes t-shirts ici. Je fais quand même un ménage régulier aussi de mon linge, là, fait que c'est sûr que ça sera pas à tout casser parce que j'essaie de me débarrasser du stock sur une période assez régulière, tellement qu'il y en a qui rentrent aussi. Fait que j'ai mes long sleeves ici. Sinon, en bas, j'ai tout ce qui est plus veste puis coton ouaté, là, des choses un petit peu plus chaudes. Puis... l'autre côté, j'ai mes robes qu'éventuellement on va finir par pouvoir porter, mes vestons, puis tu sais, les trucs de par-dessus, là, blazer, mes chaquettes, choses comme ça. Fait que tu sais, ça, je m'en débarrasserai pas parce que je vais plus le porter genre à l'automne ou tu sais, à des entre-saisons ou dans, quand il fait un petit peu plus frais. Mais je vais, c'est ça, je vais quand même passer à travers tout ça. Puis là, j'ai des robes en haut, encore une fois, des laines, puis des petits cardigans. Donc on va faire un ménage de tout ça. Comme je disais, j'essaie vraiment de faire un ménage régulièrement de mon stock parce que si je laisse ça s'accumuler, ça devient facilement abusif. J'ai ce bodysuit là que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'ai porté une fois là. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir donner un petit peu plus d'amour que moi. Ah, celle-là, là, je me dis toujours que je vais la porter, mais je la porte jamais. Fait, je pense que je vais faire... je sais pas. C'est ça mon problème. Je me dis tout le temps, ouais, mais ça pourrait servir, tu sais, genre ça, dans un événement, dans le temps des fêtes. Tu sais, mais qu'on puisse avoir des rassemblements. Ok, ça va être un peut-être. On va voir. Mais, ouais, il y a des pièces, hein, de même que t'as bien de la difficulté à te débarrasser. Le bodysuit mauve, je l'aime beaucoup, mais je suis pas portée à le porter, fait que. On va le donner à quelqu'un qui risque de l'être plus que nous. Ça, je garde, je l'aime vraiment beaucoup. Ça, je sais pas, c'est plus des camisoles que je porte l'été. Fait que là, vu qu'il fait comme pas encore assez chaud, je sais comme pas. Je pense que je vais le garder, puis je vais laisser la prochaine saison décider de ce qu'on fait. Et de la prochaine saison, je parle de moi qui décide si je les porte ou si je les porte pas. Ouais, ça non... Season change and I only come. Bon, fait que c'est quand même pas si pire, compte tenu du fait que j'en ai fait un il y a genre 2 semaines, fait que à peu près une dizaine de choses... 15, puis je sais qu'il y a beaucoup de sacoches, beaucoup d'accessoires là, duquel je vais me départir, fait que c'est déjà ça, hein, ça pèse mon esprit, puis j'essaie d'en sortir plus que j'en rentre, de préférence, ça marche pas toujours, mais l'intention est là. Bon, fait que, on va vraiment essayer d'en faire genre, tu sais, par-ci, par-là, là. Pas tout faire d'une shot, puis c'est ça, en faire un petit peu à la fois, fait que ça va vouloir moins pire en bout de ligne. Là, ce que je veux attaquer, c'est... le dessous des produits de la salle de bain, parce qu'il y a quand même une couple d'affaires là-dedans que ça fait vraiment longtemps qu'on a. Fait que je veux faire le tour pour voir ce qu'il y en est, est-ce qu'on garde tout, qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'il y en est, regrouper peut-être ça aussi. Ce non, ça oui, des huiles essentielles absolument. Puis ça nous permet aussi de faire un topo de ce qu'on a, puis de... d'être sûr qu'on rachète pas en double. Tous ceux qui sont en avant, pour être bien honnête, c'est tous des produits qu'on utilise, que j'utilise, pas en tout, mais plus moi, sur une base très 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 régulière. Fait que c'est sûr que je les garde. C'est plus ceux dans le fond qui vont être le trick. Tricky, tricky. Mm-hmm.
ça, je sais même plus puis si c'est encore bon, ça fait tellement longtemps. Ça sent bon, sauf. Ça doit pas être bien bon. Frisotti. Je l'ai vraiment pas aimé, ce sultan-là, là. Saint-Maurice. Mes préférés, si jamais ça vous intéresse, tant qu'à être là, Jergens puis Isle of Paradise. C'est vraiment mes deux préférés. Ça, ça fait partie des meilleurs après shampoing, conditionneur. La gamme extrême, je l'adore. Ah, mais là, c'est une bouteille de... Ça, conditionneur. Je suis pas sûre de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Shield My Locks. Heat and Shine Spray. Non. Je pense que j'avais... Oui, ça, c'est ça. Je pensais que c'était du shampoing sec, je l'avais acheté. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était pas du shampoing sec, fait que... Ça, je vais le garder, mais c'est vraiment cool. C'est un produit, genre un déo, mais vaporisateur. Fait que tu sais, l'été, genre quand t'as ta camisole, si tu veux pas avoir des motons en dessous des bras ou peu importe, là, tu sais, des fois, le déo, les déos ont tendance à faire ça, ben, c'est parfait. Oh! Repair. Je vais sortir ça, je vais l'utiliser. Bon, ben, il y aura pas eu grand ménage. Il y en a genre 3, 4, 5. En tout cas. Tant pis, hein. C'est déjà ça. Oh, tu te remettre un peu en ordre. C'est vraiment juste... le but, c'est juste de pas avoir à te transporter des affaires inutilement. Mom and Dad are out and about. Yes, habillé pareil comme hier. Non, comme tantôt. Moi, je suis pas habillé comme hier. Aussi. Ouais. T'as genre 10 ou 10 puis tu mets tout le temps lui. Mm. On est venu chercher un petit café. Puis yes. Clairement, on n'est pas les seuls à avoir eu cette merveilleuse idée. Donc... On est en fil. Ouais. Et ça avance pas vite. On s'est dit qu'on allait sortir de la maison un petit peu. Je suis tiquée. Ouais. On est verte, on dirait aujourd'hui. Je sais pas, il fait comme un peu grisâtre. C'est pas. Petite journée bien tranquille. Là, vu qu'on n'a pas de plan non plus, on dirait. Tu sais, des fois, quand t'as un plan, genre le samedi soir, ça te fait genre t'activer, je trouve, pendant la journée. On dirait que vu qu'on a comme. Rien. Ouais, c'est ça, rien. On peut pas voir grand monde, on peut pas faire grand chose. Fait que c'est ça, c'est relax. On est relax. On va aller jouer au basket. Ouais, on va aller se faire une petite game de basket dans notre futur hood. Yeah. Ton frère vient-tu finalement? Ouais. Ouais. Je veux qu'on y écrive quand on arrive là-bas. Ok, parfait. J'écris à mon frère, mais il me disait qu'elle est au parc Omega. Je sais pas c'est quoi, je viens de te demander ce qui en était. Parce que j'ai vu qu'il y avait mis une story qu'il y avait des animaux. Mais c'est pour ça que ça me dit quoi? Moi aussi, ça me dit quelque chose, mais on dirait que. Sûrement que ça, c'est les réseaux. Le déclic, ça fait pas. Sûrement. Mais ouais, on va aller faire, c'était soit nos options comme d'habitude, là, soit on allait frapper des balles, ou soit on allait faire. Ah ben oui, comme de fait, plus de batterie. Ok. Soit on allait jouer au basket, soit on allait frapper des balles. Fait qu'on a décidé d'aller jouer au basket à un terrain qu'on aime vraiment beaucoup. Fait que. On s'en va là. C'est ça. Ah, oh, c'est à notre tour. Yeah, bye. Non? Non, ok. Prends quoi? Oui, bonjour, je prendrais un grand thym glacé. S'il vous plaît. Un moyen cappuccino glacé caramel. Avec un moyen cappuccino glacé caramel. Ça va être tout. Merci. Bon, fait que le statut du coffre, c'est genre juste plein de choses duquel que j'ai accumulé depuis vraiment longtemps qu'on va venir donner. Juste ici, fait qu'on a. Ouais. Ça. Quoi d'autre? Les chaises, on les garde. C'est ici. Le sac là, puis le manteau. Ouais. Le hoodie là? Non. Je veux juste le garder dans l'auto. Le manteau celui-là. Aussi? Oui. On peut mettre 4 tout autant, puis on mettra le reste en. On se trouve, il y a déjà plus vraiment de place dans le frigo là. Non, je pense qu'on peut mettre le reste dans. On peut mettre un. Tu vas en boire combien, écoute? On en boit 2-3. Merci. Non? Ouais. On est arrêté à l'épicerie en revenant pour s'acheter et de la bière. Ouais, s'il te plaît. Du feta aussi pour le souper qu'on va se faire, ça va être vraiment bon. Avec une petite salade de macaroni.
On n'avait plus de pâte à dents. Théo, puis des petites limes pour la Corona. Parce qu'une Corona sans lime n'est pas une Corona qui mérite d'être consommée. Am I gonna learn? T'as-tu faim ou non? On vient de manger. Fait que... On boit-tu une bière qu'on commence à faire ça? J'ai vraiment sûr de voir, ça te tente-tu? Salut? Je suis pas envie de voir. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de genre veggie. Oh miam, salade de macaroni là. Je sais pas pourquoi j'avais vraiment un craving de ça. Merci. On avait laissé tasse dehors parce qu'il revenait pas, puis on s'était dit qu'on allait pas perdre notre journée parce qu'il revenait pas. Puis à chaque fois qu'il revient un petit peu plus tard, puis qu'on a fermé la porte une couple de temps, il est en hystérie. Il est content de nous voir. Je peux manger. Ah, regarde! Oui, t'es content de manger, toi? Oh, oui, le beau minet. Bien. T'as-tu une bouchée de salade de macaroni? Oui, c'est bon. Ouais. Le cadavre aussi. Bien. Tu veux dans son pot? Magnifique. J'étais à côté. Le truc pousse. Descend doucement pour qu'elle descende dans le fond. Moi, chaque fois que je fais ça, ça me revole dessus. Fait que. Là, bouge pas. Oh yes. Ouh. Là, tu reviens doucement. La bulle. Dégâts. Ça coule à côté. Non. Presque maintenant. Cheers, man. Non, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Elle n'est pas super. Elle n'était pas dans le fond non plus du frigo. Il venait peut-être la mettre il n'y a pas super longtemps. Non. Ouais. On va mettre la lune un petit peu haut. What I found you there. J'ai la toune de High School Musical dans la tête. C'est ça qu'on écoutait? J'ai mis une playlist throwback des années 90-2000 depuis genre une semaine, puis je roule là-dessus. Puis là, c'est une toune de High School Musical 1. Fait que là, je l'ai pas en tête. Every day of our life, what I found you there, what I found outside. Na na na. Na na, I came with friends. Every day. Hey, t'en as dans la barbe. Oui, oui. Sérieux? Yes. Oh, salut mon petit chat. Est-ce que tu faisais dodo dans la terre parce que tu es tout brun? On va manger des... Buffalo, chou-fleur buffalo dans le air fryer. Anto est en train de préparer ça. Moi, ma préparation va être la salade grecque qu'on va faire. Ça va être tomate, concombre. Il y a un concombre de commencer. Feta, ah ouais? Maintenant que tous mes ingrédients sont mis là-dedans, je vais juste prendre un petit peu d'épices grecques puis en mettre un peu partout. C'est super bon. Puis je vais le laisser genre mijoter, un petit bout mijoter. En tout cas, je vais le laisser comme les saveurs prendre ensemble pendant un petit bout. Puis si vraiment à la fin, je vois que j'ai besoin d'ajouter genre de l'huile d'olive ou quelque chose comme ça parce que je trouve que c'est encore trop sec, je le ferai. Mais une des affaires avec les salades grecques en Grèce que j'avais découvert, c'est qu'ils mettaient jamais d'huile d'olive. Genre jamais, jamais. C'était toujours juste les saveurs comme naturelles des légumes qui étaient dedans et du fromage mélangé. Fait que je fais ça depuis ce temps-là. Sérieux, c'est délicieux. C'est un joyeux festin qu'on a là. Fait que Antoine nous a fait des buffalo chou-fleur. Chou-fleur buffalo. On l'avait déjà dit, je pense. Buffalo ranch, pardon. Avec une aioli pour tremper dedans. C'est vraiment, vraiment très bon. Puis c'est ça, on l'a fait dans le air fryer. Fait qu'il me semble qu'on l'a présenté dans un vlog. Mais bref,
je vous la remontrerai à un moment donné, là, j'ai juste pas pensé à filmer. J'ai fait une petite salade grecque, comme je vous ai dit, puis on a notre salade de macaroni qu'on va manger en même temps. Fait que notre défi qu'on s'était donné à un moment donné, c'était de manger toujours à la table de cuisine. Je pense que ça a duré genre, quoi, 3 jours? Ouais. Littéralement. Fait que, ouais. On a recommencé la Breaking Bad, la série Breaking Bad. Puis on est rendu à quoi? Saison 2? Tabarnouche! Ok, mais t'en as vraiment écouté, là. T'en as écouté plus que moi. Fait que, ouais, ça va être notre petit plan du samedi. Oh oui, on est samedi. Ça va être notre plan du samedi soir. Va être tranquille. Relax, puis ça va faire du bien. Fait que, on va se voir bientôt. Bye tout le monde!